Et si je prenais le chat à l'école? Reviens ici! Je suis allergique au chat, sinon j'éternuerai pas! Ah, t'es là! Ilion, se dépêche-toi, il est 8h, il est l'heure d'aller à l'école! Oui, oui! Ah, t'as même pas préparé tes affaires, des petits. Bah, c'est bon, là, je suis en train de les préparer! Bah, t'étais encore en train de jouer avec le chat? Mais écoute, non. N'oublie pas de le mettre dans sa lit, dans son lit, oui, 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 d'accord? Oui, et tu l'enfermes, hein? Oui, d'accord! Allez, dépêche-toi, je t'attends! Ouais, ouais! J'en ai vraiment marre des cours en ce moment, c'est vraiment ennuyant! J'ai une idée! Et si je prenais le chat à l'école? T'en penses quoi? Tu veux bien que je te prenne à l'école? Oui? En plus, toi, comme ça, tu vas pas t'ennuyer? J'ai une trop bonne idée! Bon, bah, j'arrive, hein! Allez, hein, je viens à l'école, j'arrive! Ah, nickel! Je vais te mettre dans un petit panier, comme ça, tu vas être très à l'aise, d'accord? D'accord? Allez, viens! C'est bon, Lévi, t'es prête? Oui, oui, j'arrive! Fais pas trop de bruit, hein! Oui, 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 j'arrive. C'est l'heure de l'école, là, bien. Oui, oui, t'inquiète pas, je mets mon sac derrière. Hein. Ok. Bon, Lily Rose, j'espère que tu n'as rien oublié. On est un peu en retard, là. Oui, oui, t'inquiète pas, je veux arriver la première en classe, d'accord? T'inquiète pas, on n'est pas du tout en retard, tout va bien se passer. Bonjour. Bonjour, Lily Rose. Oui, bonjour. Je suis la première à être arrivée, tu peux t'en. Oui, oui. Où tu veux. Merci. Tu restes ici, d'accord? Tu restes à mes pieds parce que sinon ça va pas du tout le faire et le prof il va te voir. Tu vas devoir rentrer à la maison, d'accord? Bon, si tu veux rester ici, c'est bien aussi. Hein. Allez, Murphy, reste là. Bon. Comme t'es la seule élève qui est là et qui est bah, tout simplement oui en cours, et ben je pense qu'on va faire une interrogation surprise. Quoi? Une interro surprise? Mais on n'avait rien à apprendre! Bon. Sur quoi portera cette interrogation surprise? Les verbes. Non, Murphy! Non, non, non! Reviens ici! C'est pas possible! Ah, mais je sais vraiment pas quoi faire en fait! Ah, mais ça sera sur quoi cette interrogation, cette évaluation? Ah, mais je sais pas du tout! Ah, j'en sais rien! Murphy! T'es où? Reviens ici! Où tu te caches? Non mais c'est une blague! Le chat il s'est enfui mais pas dans la classe, je le vois nulle part! Non, c'est pas vrai, je l'ai pas perdu quand même! Ah! Les tables de multiplication! La table de 9 sera parfaite! Bah tiens, mais qui on va pouvoir... Bah Lily Rose! Tiens, on va t'interroger! Oui, d'accord, pas de soucis! Sur quoi vous voulez m'interroger, monsieur? La table de multiplication et la table de 9. Alors, 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. Oui. 3 fois 9, 23. Bah quoi, c'est pas bon? Allez, on recommence depuis le début. 9 fois 1. 9. 9 fois 2. 18. 9 fois 3. 42. Mais ça va pas du tout, Lily Rose. Bon, monsieur, j'en ai marre, là. Faites quelque chose de un peu plus facile, parce que moi, la table de 9, j'en ai marre, en fait. Tous les jours, vous m'interrogez, moi. Bon, je sais que je suis toute seule et qu'il n'y a plus personne à interroger, mais justement, il n'y a personne. On pourrait faire des trucs bien, quoi. Ah, c'est pas parce que vous êtes toute seule qu'il faut vous trouver des excuses. Ah, pff, on va quand même trouver autre chose. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de la table de 9? Bon, je vais me remettre à la recherche de Murphy parce que là, je sais vraiment pas où il est. Te caches-tu, Léo? Tu sais, tu peux venir, hein? Oh, purée. Oh. Il est pas dans un sac, par hasard? Non, tous les sacs sont fermés. Pourquoi je cherche là? Je sais très bien qu'il est pas là. Lily Rose, votre oncle. Oui, 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 j'étais en train de mettre un truc à la poubelle. Allez, oui. Ici. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, présentez-vous en anglais. Hello, my name is Nine. Votre prénom? I have... yes, I have... cat. Vous avez un chat, c'est très bien. Non, 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 my cat is absent. Votre chat est absent. Yes.
Pourquoi? Il est ici, votre chat? Non, non. Décidément, tout ce qu'on a fait cette année, ça aura servi à rien. Bon, vous savez quoi, Lily Rose? Je vais copier quelque chose au tableau et vous allez juste recopier ça sur votre feuille. Tiens, où est ma craie? J'en ai vraiment marre de cette école. En plus, je suis toute seule. Elle est tellement nulle que personne veut venir. Et en plus, j'ai perdu mon chat. Je pense qu'il est allé dans une autre classe. Non, mais la tête du prof quand il va voir un chat qui rentre dans sa classe. J'imagine même pas. Il est vraiment perdu, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un chat ici ou quoi? Ah oui, c'est vrai, il est allergique au chat. Mais il va se rendre compte qu'il y a un chat ici. Bon, après, j'espère qu'il va pas le trouver parce que moi je le trouve pas, alors je vois pas pourquoi lui il le trouverait pas. Mais bon, quelle idée d'avoir ramené mon chat! J'avais totalement oublié qu'il était allergique. Je suis allergique au chat, sinon j'éternuerai pas. Quoi? Un chat? Mais enfin! Comment ça se fait qu'il y ait un chat? Il n'y en a qu'un seul d'élèves! C'est forcément toi! Non, c'est vraiment pas mon chat! J'ai pas de chat, vous savez très bien! Mais vous avez dit tout à l'heure que vous aviez un chat! Je vais appeler vos parents! Mais tout non, de suite. Non, les appelez pas, ils sont. Ils sont au travail! C'est pas mon problème! Oh, désolé, petit Votre chat! Votre carnet de correspondance! On n'a pas de carnet en fait, monsieur. Et ben j'ai si. J'ai oublié mon carnet. Et ben je vais le chercher moi-même dans votre. Oui, bah écoutez, monsieur, je vais m'en aller parce que là il y a personne en fait. Donc au revoir. Au revoir. Au revoir. J'aurais jamais dû toucher ce chat. Au revoir. Revenez. Au revoir, monsieur. Comment je vais faire, Lily Rose? Elle a ramené son chat, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Bon bah les amis, là je comprends pas, je cherche les chats, j'ai trouvé qu'un seul chat et ils sont nulle part là. Je dois les emmener chez le vétérinaire pour qu'ils fassent leur examen de santé là, parce qu'ils sont nés il y a 3 mois et impossible de trouver les chats. Donc ah, c'est bizarre, mon téléphone sonne, peut-être que Peppa Pink les a trouvés. Allô? Comment ça? C'est une blague? Attendez, je vous rappelle. Les amis, c'est le prof de Lily Rose qui m'a appelé pour me dire qu'elle a ramené le chat à l'école. Mais elle est totalement folle ou quoi? Bon, les amis, là, j'ai pas de temps à perdre. Je vous retrouve plus tard. Non, mais elle est totalement dingue. Je vais devoir aller à l'école pour chercher le chat. Il y a le deuxième chat qui a disparu, là. Non. Mais si, j'arrive pas à le retrouver. Sérieux? Les amis, on doit commencer une vidéo sur nos nouveaux chatons qu'on a reçus il y a 2 heures, même pas. Et il y en a déjà un qui a disparu. Mais ouais. Je sais pas où il est. Mais non, vas-y, on va en bas là. Ok, vas-y. Bon bah, je sais pas, j'espère que la vidéo va pouvoir commencer. Sinon je mettrai ça au début de la vidéo. Mais j'espère vraiment qu'on va le retrouver. Ouais. Sinon ça va être la galère, t'es sûr qu'il est pas en dessous du lit? Ouais, mais on l'a vraiment perdu là, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti! Salut à tous les amis! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on est extrêmement content de faire parce que c'est une vidéo qu'on attend depuis plusieurs mois. Depuis qu'on a déménagé ici, parce qu'on ne vous l'a pas dit, on a gardé ça secret, mais depuis qu'on a emménagé ici, notre objectif, c'est d'adopter des chats. Sauf qu'on ne voulait pas, enfin là dans cette vidéo on va vous les présenter, on va vous montrer tout ce qu'on va faire pour les chats, le projet chat, parce que franchement vous allez beaucoup en entendre parler sur la chaîne, parce qu'on va faire plein de trucs. Donc d'abord, pourquoi ça a mis autant de temps? Parce que vous allez vous dire, pour avoir des chats, il suffit d'acheter des chats, voilà, c'est simple. Mais nous, on voulait pas en acheter en fait. On voulait pas acheter des chats parce que il y a tellement de chats qui sont abandonnés. Qui sont abandonnés parce que il y a un chat qui tombe enceinte et du coup les petits on sait pas quoi en faire, on les abandonne ou voire pire, voilà, on va pas en parler ici. Et du coup, on a eu enfin notre cousine qui nous a dit que quelqu'un qu'elle connaît
a des chats, des chatons. Oui. Et du coup, résultat, c'est les deux survivants. Oui. Donc on peut dire qu'on a sauvé des chats. Parce que tous les autres de cette portée, malheureusement, sont morts. Mais pas, enfin c'est la mère hein, qui oui. les a cruic, hein, parce qu'ils étaient en mauvaise santé, etc. Donc voilà le premier, oui. regardez. Donc il est noir avec des petites... Avec des petites rayures, des mais on bleus. Les voit pas encore, les rayures. Après, on va les laisser tranquilles, vous inquiétez pas, et c'est juste pour vous les montrer. Le second, le voilà, regardez, il est tigré avec voilà. des yeux tout bleus. Donc, normalement, vous saurez les différencier parce qu'ils ouais. sont pas du tout pareils. Ils et ont les mêmes yeux et, ils sont... frère, et c'est oui. des vrais frères oui. et sœurs. Alors, on sait pas pour on l'instant pas. Si c'est des femelles ou des mâles ou un mâle, une femelle. Et ils sont là depuis seulement quelques heures et regardez, ouais. ils veulent déjà se balader un et peu partout. Et pour l'instant, partout. Lui, il est beaucoup plus... Enfin, ouais. il explore beaucoup plus la il est, maison. Il est beaucoup plus à l'aise. Alors que l'autre, il est Ouh. Hyper timide, mais ouais. il... Alors ça lui, va. Pour tout vous dire, dès qu'il est arrivé, il s'est mis sous notre lave-vaisselle oui. et c'est compliqué de le faire sortir. Bah, et, les lui, deux. Et lui, il fait déjà plein de choses, plein ouais. de cabrioles, donc c'est pas du tout la même chose. Donc maintenant qu'on vous a présenté... Ah oui, d'ailleurs... Si vous êtes sur la vidéo et que vous aimez bien nos vidéos et que vous allez regarder les autres vidéos sur les chats, n'hésitez pas à donner un nom au chat. Oui. Voilà, vous nous proposez des noms dans les commentaires et si vous proposez des belles choses, et bah peut-être que votre commentaire sera le nouveau nom du chat parce que ouais. pour l'instant, ils n'ont pas de nom. Voilà, donc l'idée c'est que ça soit un peu original parce que après on va mettre ça dans les titres des vidéos et vous allez beaucoup l'entendre, enfin j'espère, voilà, si on fait beaucoup de vidéos avec les chats. Donc maintenant on va vous montrer quelque chose. Oui. Allez, c'est parti. Parce qu'on a beaucoup de projets pour les chats et on est qu'au tout début. Oui. Hop, allez, je prends la caméra, vous allez voir, c'est assez ouf. Donc on les laisse ici ou pas pour l'instant? Ok. On va les laisser il ici. Il veut pas tranquille. Partir. Allez. Ouais, si. Alors ça, ils sont arrivés dans cette petite, alors c'est pas vraiment une cage, dans ce petit sac de transport. Ouais. Après on va devoir le rendre, mais ils sont arrivés comme ça, ils étaient tous les deux dedans. Oui, et vraiment ils sont tout petits, je sais pas si ça se voit, mais ils sont vraiment très très pour petits. Pour ceux qui s'entendent, regardez, pour, le ceux, plus pour ceux qui se demandent, ils s'entendent très très bien. Ouais. Ils sont tout le temps ensemble, ils se séparent ouais. pas. Et je pense que bah, c'est comme ça depuis et leur et la dernière fois, ce matin... Genre, à un moment, il le voyait pas, il a commencé à pleurer, donc ouais. ouais. Ils sont il y a vraiment... ce chat-là, le gris, il pleure souvent, regardez, mais il joue beaucoup en même temps. Enfin, ouais. on sait pas trop à quoi il pense, du coup, mais celui-là, il est très timide, il parle pas du tout. Ouais. Enfin, bah si, des fois, il miaule. Il miaule très rarement, et voilà, donc là, ils sont en train de... Oula, je les ai fait... Ah oui, aussi, petit truc, avant de vous montrer ce qu'on va faire pour les chats. Lily Rose est allergique aux chats. Oui, un peu. Donc j'espère que ça va aller avec les chats. Bon, vous voyez que là, elle les a caressés. Elle, ouais, elle tombe un peu va. Malade. Et moi aussi, je suis allergique. Mais, du mais coup, avec le temps, vraiment, on va s'habituer. Parce que... on va s'habituer. Bah, on a déjà eu des chats quand on était plus jeunes. Donc... Et même, en général, on s'habitue bien aux chats qu'on connaît. Donc ouais. regardez, ça y est, ils font leur vie. J'espère qu'on va les retrouver parce que tout à l'heure, ils étaient en dessous du lit. Oui. Ils n'ont plus bougé. Allez, c'est parti. Donc, on va vous montrer le projet chat. Ouais, alors... Allez, let's go. Donc, ça va être dans cette pièce. Pour l'instant, cette pièce, il y en a certains qui la connaissent. On l'a déjà montré en vidéo. Donc, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ouais. Là-bas, il y a la... Bah, vas-y, tu peux fermer. Il y a la cachette gaming. Voilà. Là, pour ceux qui savent, c'est la cachette gaming. Et du coup, ici, on a une grande pièce qui sert vraiment à rien. À rien du tout. Genre, il n'y a rien dedans. Mais justement, d'ailleurs, on va ouvrir un peu parce que c'est pas du tout lumineux pour vous montrer... Donc c'est une pièce qui a une super vue sur le jardin. Ouais, et du coup ici et on aimerait bien que ce soit un peu la chambre des chats, mettre ouais. plein d'arbres à chats, des tapis et donc tout. L'objectif des ici, trucs pour qu'ils passent au fur et à mesure des tout. Vidéos, c'est de faire vraiment des challenges pour les chats, acheter des arbres à chats, etc. Donc l'idée c'est que ça soit une pièce réservée aux chats, où on va leur apporter la nourriture, où on va les mettre quand on sera pas là, etc. Ouais. Donc voilà, on veut qu'ils soient le mieux possible parce qu'on va pas les laisser sortir à l'extérieur parce qu'on n'a pas envie qu'ils voilà, se fassent écraser ou qu'il leur arrive des trucs dans la ville parce qu'on habite en ville, on n'habite pas à la campagne. Ouais. Et du coup, on n'a pas envie qu'ils soient perdus ou qu'ils attrapent des maladies, qu'ils se battent avec d'autres ouais. chats, etc. Et comme la maison est grande, bah, je pense que ça va largement leur suffire ouais. pour vivre bien. Et donc, aujourd'hui, ils ont appris... à monter des marches, enfin deux marches, hein, ils ont réussi. Ouais, après c'est des chats qui viennent de la campagne, donc on pense qu'ils ont déjà l'habitude d'escalader. Là, oh. on va voir ce qu'ils sont devenus. Ah, voilà. Alors, ah bah ça va, ils ont pas trop bougé. Hein. Non, ils bah ont ils pas bougent trop pas bougé. Trop. Et ils, ils sont en train d'attaquer mes chaussures, mes crocs. Regarde, là, il y a le chat gris qui arrête pas de mordre. Regardez-moi ça.
Lui, je sens qu'il va détruire beaucoup de choses chez nous. Regardez. Alors que lui, je sens qu'il va être il est tout calme. Regardez, il est déjà en train d'attaquer sa petite maison. Regardez. Non, mais c'est vraiment incroyable. En tout cas, on espère que tout le monde va être gentil avec nos oui. chats et qu'il ne va pas leur arriver des trucs. Si vous voulez suivre l'aventure, regardez. Oui, bravo. Ah, il attaque mon pied. Ouais. Ça y est, je me fais déjà griffer. Voilà, Lyrose, elle s'est déjà fait griffer et tout, mais voilà. Mais bon, c'est par lui parce que il est un peu nerveux, comme vous pouvez le voir. Très nerveux. Bon, voilà. Les amis, c'est ce que je disais, c'est que si vous voulez suivre l'aventure de nos chats, bah proposez des prénoms, proposez des idées de vidéos, de challenges qu'on pourrait faire. Yes Man Challenge, ouais. Spécial chat. Plein de. On dit oui au chat pendant 24 Attends, il est parti où? Ah, il est rentré dans la maison. Parce qu'en fait, on a peur qu'il s'enfuit parce que la maison, comme je vous ai dit mille fois, est grande. Et du coup, s'il s'enfuit quelque part au sous-sol, etc., on peut ne pas les trouver pendant plusieurs heures. Et ça serait inquiétant parce que c'est des chatons. En tout cas, si vous voulez suivre l'aventure des chats, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Activez la cloche, comme ça vous recevrez toutes les vidéos. Il n'y aura pas que des vidéos chats, il y aura les vidéos normales, mais on va faire des vidéos chats en plus. Ouais. Et on se dit bah, à la prochaine. Ciao. Bye bye. Ciao les petits chats. C'est vraiment nos chats là? Ouais, c'est les nôtres. Ils ont même pas encore de nom. Non. Ils sont... Salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis extrêmement content de faire. Regardez, je suis accompagné de notre cousin qui nous a rapporté une belle petite surprise aujourd'hui. Vous avez vu le titre, donc je pense que vous savez de quoi ça va parler. Et oui, Lily Rose, ça fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'elle rêve d'avoir des chats. Parce qu'on en a eu un quand on était tout petit, mais bon, on s'en souvient presque plus. Et bah voilà, ça fait des années qu'il est mort, malheureusement. Donc voilà, depuis qu'on a déménagé, comme on a de l'espace, on s'est dit, bah tiens, il faut reprendre des chats. Du coup, le cousin les a apportés. Alors, on va pas vous les montrer en détail, regardez, ils sont là. C'est des tout petits chatons, tout mignons, tout comme ça. On fera les présentations juste après, parce qu'il faut les faire découvrir à Lily Rose. Donc là, on va les remettre dans leur petite, petite cage, là, pour les porter. Et on va les montrer à Lily Rose en secret. Je vais lui annoncer qu'on a une surprise pour elle. Donc, on se retrouve tout de suite. Je pense qu'elle va être super contente. Lily Rose, je peux rentrer? Oui. Ça va? Ouais. Ok, bon, c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Là, je l'ai démarrée pour expliquer ce qui va se passer. J'ai expliqué aux abonnés. Je pense que t'es pas prête. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est une vidéo où on va te faire une méga surprise. Mais quand je te dis une surprise, là, c'est pas un nouvel iPhone, c'est pas une tablette, c'est pas... Enfin, bref. Ok. Alors, j'essaie de te faire deviner. C'est un truc duquel tu rêves depuis plusieurs années. On t'a toujours dit non, et même hier, t'as encore demandé et on t'a dit non. T'as pas une idée? Non. T'es sûre? Non. T'es sûre et certaine? Non. Bon, attends, ferme les yeux. Ok. Alors, mets-toi contre le mur, tu fermes les yeux. Okay. Et peut-être que tu vas deviner au bruit, ok? Ok. Ok, donc je demande, il y a le cousin qui est là. C'est bon, tu peux rentrer. Vas-y, viens. Oh, j'ai hâte de... Tu reconnais au bruit ou pas? Non, pas encore. T'es sûre? Il n'y a pas trop de bruit pour l'instant. On entend juste un tout petit peu. C'est bon? Vas-y, tu peux ouvrir les yeux. 3, 2, 1. Oh, un chat! Et non, c'est pas un chat. Oh, il y en a deux, mais... C'est deux petits chatons. C'est vraiment nos chats, là? Ouais, c'est les nôtres. Ils ont même pas encore de nom. Non. Ils sont nés il y a un mois et demi, coucou, environ. Donc ils n'ont pas encore de nom, et d'ailleurs les amis, s'ils n'ont pas encore de nom, c'est qu'il y a une raison, parce que moi ça fait environ un mois que je sais qu'on va avoir les deux chats qui sont réservés, etc. Donc mettez des propositions de nom en commentaire, mettez des propositions pour les mâles et les femelles, parce qu'on ne sait pas encore si c'est un mâle, une femelle, etc., etc. Donc c'est vraiment magnifique, et Peppa Pink les a toujours pas vus. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, Peppa Pink est même pas au courant qu'on va avoir déjà, je l'ai pas prévenu. Donc on va voir la réaction de toute la famille. Là, on va laisser les chats profiter un petit peu de la chambre, découvrir. Et il y aura aussi dans cette vidéo la réaction de Peppa Pink. Je pense qu'il va être choqué aussi. Regardez, ils se font déjà bien. Ils se font déjà bien à leur environnement, alors qu'ils viennent d'arriver. Regarde, dans les crocs, dans les chaussures. Et du coup, Lily Rose, je vais te montrer, on a préparé plein de choses pour eux. Okay. Et c'est pas fini, parce qu'il va y avoir carrément une chambre dédiée aux chats dans notre maison. Donc on va vous montrer quelle pièce c'est.
Et ensuite, je vais vous montrer tout ce qu'on a préparé, parce que Peppa Pink est toujours pas arrivé. J'ai hâte de lui faire la surprise, parce qu'il voulait pas de chat, mais il est fan de chat, donc à mon avis, il va être content. Donc c'est cette pièce-là. Donc là-bas, il y a la cachette gaming. Cette pièce-là, il va y avoir des arbres à chat, il va y avoir des trucs pour les griffes, toutes leurs croquettes, etc. Donc ça sera vraiment une chambre réservée aux chats. Ça sera la cat room, on va dire ça. Donc tu faisais tes devoirs. Du coup, on a installé quelques petits trucs pour les chats. Donc ça, c'est vraiment le début. Donc il y a une petite litière, un petit gratte-gratte là, des croquettes, de l'eau pour qu'ils soient bien. Parce que sinon ils vont faire leurs griffes sur le canapé et ouais. J'ai pas envie d'en racheter un tous les 6 mois. Regardez. Regardez-moi. Lui, il est vraiment beau. Je sais pas si vous voyez ses yeux, ils sont vraiment bleus là. Et lui aussi. Il a une tête un peu aplatie, ça va être très mignon. Et lui aussi, regardez comme il est mignon. Donc de toute façon, vous allez voir, on va faire beaucoup de vidéos avec, on va vous montrer et vous allez vraiment les voir grandir. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous raterez rien et vous suivrez l'évolution des chats. Et moi j'ai trop hâte, vraiment, j'arrête pas de le répéter, mais de voir la réaction de Peppa Pink quand il va voir ça, parce que, comme je vous ai dit, il est pas au courant. Donc je pense que, vas-y, on va les mettre dans une pièce et quand il arrive, on lui fait la surprise, ok? En tout cas, t'es contente? Ah ouais, là, je suis trop contente, là. Depuis le temps que t'en voulais, là, franchement... Ouais. Regardez-moi ça, cette mignonnerie trop mignonne. Voilà, regardez, les amis, on les a remis dans la chambre de Lily Rose pour attendre Peppa Pink, qui devrait arriver d'une seconde à l'autre. Ouais. Et on a galéré à les faire revenir dans leur petite cage, parce que bon, la maison est assez grande. Oh, non, je pense que c'est Peppa Pink, attends, ferme. Allez, non, pas, allez, hop. On va fermer la clé, je vais finir mes explications. Il est déjà arrivé en fait. Oui. Et ils sont allés derrière le lave-vaisselle, en dessous hop de la là. Cuisine. Ouais. En dessous et ils voulaient plus sortir. Derrière le lave-vaisselle, ils voulaient plus sortir, ils s'étaient endormis. Regardez, il y en a un qui est parti à l'autre bout. Essayez de le rattraper parce qu'il faut faire la surprise de ma Peppa Pink. Lui, c'est le plus timide pour l'instant. Oui. Et il sort très peu de sa petite cage alors que lui, il est déjà allé explorer plein de trucs. Là, je pense qu'on le voit même pas. Est-ce qu'on va le voir? Regardez, il est là-bas au bout. Allez, essayez de le ramener et comme ça on ouvre un Peppa Pink. Ouais. Les amis, j'appréhende vraiment, je suis vraiment stressé de sa réaction. Parce que comme il voulait pas de chat du tout ici, il adore les chats mais il voulait pas de chat, j'espère que ça va bien se passer. Bon, on a réussi à le rattraper, on a mis au moins 5 minutes. Ouais. Il voulait pas partir dans le dessous du lit. Vas-y, prends la petite cage, il ose mêler par terre parce que je veux pas qu'il y ait. S'il retourne en dessous, on est eu. Allez, donc c'est parti, on va les mettre ici, les remêler sur les trempeaux. Comme ça, ils vont pas descendre. Et on va ouvrir à Peppa Pink immédiatement. Ouais. Je pense que là, il va avoir une sacrée surprise. Bon, maintenant bon, tu peux rentrer. Attends. Qu'est-ce que vous manigancez? On a une petite surprise. Ouais, alors, c'est encore pas, un prank. C'est pas un prank. J'ai l'habitude avec vous là. Non, c'est une vidéo qu'on a déjà commencé. Attendez, vous allez me jeter un seau d'eau, un truc non, comme non, ça. Non, c'est une vidéo qui a déjà commencé. T'inquiète pas, tu peux venir fermer les yeux. Ouais, d'accord. Tu vas toucher un truc. Non, non, t'inquiète pas. Ouais, non, c'est. Tu vas mettre ta main sur quelque chose. Ouais, dans l'eau chaude ou un truc comme ça. C'est un prank. C'est pas des pranks qui font mal, t'inquiète pas. Allez, attention. Baisse-toi. Baisse-toi un petit peu. Je crains. Baisse-toi un petit peu. Regarde. Oh, c'est quoi? Un petit chat. Deux petits chats. Il est mignon. Oh là là, une griffe. Bah ça va, t'es pas... Ah bah non, moi j'adore les chats. Mais en fait... Pas. Bah tu sais pourquoi? Regarde, il y en a deux. Oh, ah, vas-y, prends-le. Oh là là. Il a accroché. Non, il a accroché ma chemise. Mais t'en voulais pas pourtant. Bah tu sais bien pourquoi, avec la sorcière. Et qu'est-ce qu'elle va faire la sorcière si elle voit les deux chats? Ah ouais, peut-être qu'elle va vouloir les transformer. Elle va vouloir les transformer, moi j'adore les chats, mais après j'ai peur pour la sorcière. Qui nous a ramené ça, et regarde, un deuxième chat, alors lui il est timide, il veut pas sortir. Parce que la sorcière elle risque de leur faire manger des limaces ou des araignées. Noir aux yeux bleus, oh, il y a un chat. Montre-moi le deuxième. Il y a un chat noir, qui avec sont des mignons. Très beaux poils, des très beaux yeux. Il est ici. Voilà, j'ai peur pour le noir, parce que la sorcière elle aime bien les chats noirs. Ouais, bah ça c'est sûr, c'est le chat de la sorcière. Voilà. Et donc on a encore choisi les prénoms et on demande aux abonnés de mettre de choisir des prénoms originaux pour le noir pour et pour le gris. Donc je dis dites-nous le chat gris, je veux qu'il s'appelle comme ça, le chat noir, je veux qu'il s'appelle comme ça. Donc les amis, vous inquiétez pas, il y aura normalement des vidéos avec les chats si Peppa Pink veut bien les garder. On verra. Bah oui, moi c'est la sorcière qui me fait que je crains le plus. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui apparaît juste là et à vous abonner si ça vous fait plaisir. Allez, non, à plus avec les chats.